J'ai promis un truc nouveau, putain. Il faut que je trouve vite un nom de label et des textes. Et en attendant, je cherche avec le museau dans la poussière. Putain, mon vieux. T'as encore parlé trop vite. Allô? Ouais, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps. Je prépare une bombe. Une bombe? Plus facile à dire qu'à faire. Faudrait que t'apprennes à la boucler. Ça va t'éviter des galères. La cellule est toute petite. 3 mètres sur 2. Une faible lumière pénètre d'une petite fenêtre. Un peu d'air frais aussi. Mais trop peu pour chasser la lourde odeur d'urine. Et des bruits. Ceux de l'avenue... Maïr, on en est où du nom du label? Parce que le grand bordel, c'est hors de question, hein. Ça arrive, je suis à fond, là. Ça arrive vite. Le lancement, c'est demain, hein. Je fais ce que je peux, je suis au max. Je suis plutôt dans le brouillard, là. Bon, du calme. Ah, Maïr, t'as regardé le manuscrit dont je t'ai parlé en comité, là? Ah ouais. Faut que je réponde, en fait. Ouais, je regarde ça. Merci. Ce sera des nouvelles voix, ce sera frais, explosif. Ne pas se laisser perturber, envahir. Moitié Samba, moitié Mowgli, dans la saga de la jungle. Tracé direct, une route, ça se suit, ça ne se lâche pas. Sinon, elle s'échappe. Écouteurs vissés sur les oreilles, en équilibre. Le monde est sourd, le monde est flou. À l'intérieur, quand même, la cage thoracique fait boum, 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 en cadence, boum, boum, boum. Ça me déchire la flore. Tu me diras vraiment pour le manuscrit, enfin pardon, mais c'est important. Ah, promis. Ok. Promis, je me dépêche. Merci, c'est sympa. Bon, rappelle-toi quand t'étais gamin. Pour toi, un écrivain, c'était les noms sur les plaques de rue ou des personnages dans les manuels scolaires. Mesdames, messieurs les agents de Luffy, je ne compte pas me rendre à votre convocation. Je vous envoie mon roman. Et, plutôt que de vous laisser me palper couilles et matière grise, je vous exhorte à le lire. À l'époque, t'avais jamais pensé que t'écrirais un livre. Eh ben, il y a plein de gens comme toi, que l'on entend peu, qui déborde d'énergie, d'histoires à raconter, à entendre. Étudiant, je potassais mes cours jusqu'à la dernière minute. Des fourmis plein les jambes, le palpitant au bord des lèvres, une irrépressible envie de faire dans mon froc. J'ai ressenti la même chose avant d'embrasser une fille pour la première fois. Elle s'appelait Benetton. Ou plutôt, c'est comme ça qu'on l'appelait. Inutile de me demander son vrai nom. Seul comptait celui lu sur son t-shirt le jour de la rentrée. Brodé en fluo sur ses petits seins. Il y a des pépites partout, des gens qui veulent écrire, des gens qui adorent lire, des gens qui pensent qui n'aiment pas lire, des gens de tous âges et de tous horizons qui kiffent quand on leur raconte des nouvelles histoires. Bon, faut que je trouve un blaze. Maïr, tu m'envoies quand le premier texte? Bientôt. Ça devient hyper urgent là. Ouais, je fais... Ok. Tu l'envoies avant la fin de la semaine? Je fais ce que je peux, ouais, promis. Merci. Quelques mots sur moi d'abord. Je tiens à déclarer que je n'ai jamais quitté jusqu'ici les rives de la banalité la plus stricte. J'ai été jeune, j'ai vécu des histoires d'amour, avec et sans protection, consommé quelques drogues illégales, voté communiste une ou deux fois. Faut vraiment que je trouve un blaze. Blaze. Si tu dis le mot, on va te répondre que c'est pas littéraire. Quand nous avons été appelés individuellement pour les paperasses et l'organisation de la semaine de tournage, j'ai appris le nom du film, Le Dernier des Oubliés. Et le nom de la vedette principale, Pandorini. Son personnage est présent à chaque plan, m'avait-on dit, donc il sera sur le plateau toute la semaine. Bon. Tu sais que les bouquins, ça peut changer une vie. Ça fait peut-être pitié de le dire, mais c'est la vérité, c'est sincère. Tout a commencé dans le champ, un beau jour d'été. C'était un mercredi, alors qu'on était à côté en train de fouiller dans la benne, avec l'espoir de glaner l'aubaine. Comme les gitans qui habitaient les caravanes le long de la voie ferrée. On était des gosses, insouciants. Si je trouve rien, je vais tout plaquer, me parer ailleurs et faire sauter ma vue plan-plan. Attends. Explosion, grenade. La grenade, c'est un fruit. Des pépins qui t'explosent en bouche et tu t'envoles ailleurs. Bah, il te manque plus qu'une brigade, mon vieux. Les grenadiers. La grenade. Retenez bien, hein. La grenade. Et boum! La grenade. Un nouveau label des nouvelles voix exotiques explosives.